Oh, bonjour la communauté Phileas. À peine rentré du Vapexpo Lyon, les yeux encore embrumés, enfin, c'est une image, nous tenions à vous parler du produit qui a le plus fait parler de lui dans ce salon. Un fil résistif. Oui, oui, un fil résistif. Un fil résistif. Vous avez bien entendu. Vous me direz, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser le plus, avec les liquides et le coton. Mais c'est un poil étonnant. On entendra souvent parler de cet atomiseur révolutionnaire, de cette box magnifique et ergonomique. Mais non, la légende s'arrache un fil résistif. Voyons cela de plus près. D'abord, l'InnoWire est en inox 304L. Là où nous utilisons généralement du Cantal, l'inox s'est fait une place, notamment sur certains points. Il chauffe plus vite, en offrant des résistances plus basses à diamètre de filet égal. Il est aussi bien plus malléable, offrant peu de résistance à la torsion et gardant la forme demandée. Vous voyez ici par exemple un brin de Cantal avec son fameux effet ressort. Donc il sera utilisable relativement simplement, mais il faut pousser un peu. L'inox, lui, regardez, garde bien sa forme. On peut le plier, il a moins cet effet ressort justement. Donc, travaillable beaucoup plus facilement. Mais la vraie particularité de l'InnoWire, comparé aux autres fils résistifs en inox, c'est qu'il est creux. Oui, oui, vous avez bien entendu, il est complètement creux. Je vais essayer de vous le montrer, mais bon, ça donnera rien là comme ça à la caméra. Donc, un petit schéma. Vous allez voir l'enrobage en inox 304L et l'intérieur qui est donc creux. Mais pourquoi donc? En fait, vous aurez la même surface de chauffe, mais moins de matière à chauffer. D'où un temps de chauffe plus rapide, une réactivité qui va être exceptionnelle. Il refroidit aussi visiblement bien plus vite, et pourra peut-être même économiser vos batteries, vous aurez besoin de moins de puissance. Autre particularité, l'InnoWire semble taillé pour l'utilisation en contrôle température. De plus en plus plébiscité dans la communauté, le matériel allant aussi dans ce sens, les premiers tests montrent que ça marche très très bien. Je vous le disais rapidement avant, mais l'InnoWire est hyper malléable. Il va être très simple à travailler, que ce soit pour en faire des micro-coils, des coils en spire espacée, ou encore pour fabriquer vos propres coils. Dans tous les cas de figure, ce sera bien. Le rendu de saveur m'est aussi apparu très doux et très précis. Et à lire les différents retours à ce niveau-là, nous ne sommes pas les seuls, loin de là. L'InnoWire sera proposé en 5 diamètres différents. Je n'en ai que 4 devant moi, mais le 5e sera bel et bien là. Nous allons trouver du 28, 26, 24, 22 et 20 gauge. Les plus fins seront à utiliser tels quels, les autres certainement pour des montages plus complexes. Pour vous donner une petite idée, le 28 gauge, le plus fin, représente 0,32 mm, le 20 gauge, du 0,81 mm. Donc de quoi satisfaire tout le monde. Vous l'aurez compris, nous avons beaucoup apprécié cet InnoWire. Et pas que nous, visiblement, tous les retours sont très très bons. Enfin bref, vous aurez qu'à l'essayer à l'occasion, et vous pourrez bien sûr nous dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt !